Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Aujourd'hui, nous sommes le 22, hein? Je crois le 22, le 23 octobre 2023, et c'est un lundi. Et nous allons parler encore de la République démocratique du Congo. Merci en tout cas une fois de plus d'être nombreux à me suivre. Merci pour tous ceux qui sont en train de m'encourager. Je suis très ravi de vos réactions sur nos vidéos. En tout cas, ça me fait vraiment de la joie et c'est pour cela que ça me pousse à réfléchir encore un peu plus davantage sur notre cher pays que nous disposons, le seul que nous avons, la République démocratique du Congo. En tout cas, c'est avec joie, c'est avec beaucoup de gaieté que je me dis, finalement, les choses que nous parlons ici à Contact Pro Live commencent à prendre vie dans le cœur des Congolais, parce que les réactions sont nombreuses. En tout cas, je suis très content. Donc, aujourd'hui, nous allons encore renforcer, comme je vous avais promis la semaine passée, donc dans la bande précédente, nous vous avions dit que nous allons vous expliquer pourquoi est-ce que nous insistons sur la rétrocession des pouvoirs au niveau de la base et comment on peut le faire. Parce que beaucoup de gens, beaucoup d'analystes se disent, mais comment on va le faire, comment soit-il que ce sont des gens qui vont le faire. Dans cette émission, nous allons l'expliquer. Donc nous allons y aller vraiment avec beaucoup plus de pédagogie pour vous dire comment est-ce que nous pensons que beaucoup de problèmes peuvent être résolus. Mais surtout, nous allons beaucoup parler, nous allons insister dans cette édition sur l'identification, la carte d'identité qui est une épine qui se trouve encore dans notre pied que nous n'arrivons pas à déceler. C'est quoi l'identification? À quoi nous sert l'identification? Et tout ça, nous allons en parler dans cette émission d'aujourd'hui, mes chers amis. Donc, soyez donc scotchés, suivez-moi jusqu'à la fin. Et je vais vous demander une chose, vous qui me suivez pour la première fois. Bien sûr, je vais être ici très reconnaissant parce que ce mois ici d'octobre, en tout cas, nous avions fait vous m'aviez fait de beaucoup d'éloges et puis vous aviez matché pratiquement les records des subscribers, comme on dit, des abonnés qui viennent à cette chaîne. Il y a eu un record terrible. Et j'en suis très fier, c'est comme ça que je vous dis merci. Et donc, tout ce que vous êtes en train de faire pour les chaînes, il y a au moins, à ce mois d'octobre, nous avions vu les gens qui ont même donné ba tuo ba pesa kabiso ba lingaka to pesa to tanga ba komo na bangote ba pesa ki ba caméra. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé une microphone. En tout cas, moi je suis très content et ça me donne encore envie de continuer ce travail que nous faisons. Personne ne nous paye et ça nous devons vous le préciser. Muto afuta kabiso pona musala ote, c'est le patriotisme. Nous sommes les Bazalendo et le vrai. Oh, patriotisme, oh, tel que Tozala Kriba Bandite, n'a quoi expliquer Binope Ango, n'a qu'à t'émission. Donc, soyez scotchés, comme d'habitude, qu'est-ce que nous faisons dans Contact Pro Live? Nous prenons les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet et puis nous revenons tout de suite après pour développer, en tout cas un peu plus à large, sur le sujet de la rétrocession du pouvoir au niveau de la base, la carte d'identité et l'environnement actuel. De l'actualité sur les élections. Quelles sont les grandes solutions que nous proposons? A tout à l'heure donc. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. La CENI prise en flagrant délit de machines à voter dans la rue. France, buteur et passeur, Libelo Makari lance sa saison. Et puis Kwango, si blessé par balle dans l'accrochage entre jeunes et policiers à Kasongo-Lunda. On va sur actualité.cd. Sommet des trois bassins, Félix Tshisekedi attendu à Brazzaville le 26 au 28 octobre. Tshisekedi appelle à l'évaluation de la situation sécuritaire en vue de la tenue éventuelle des élections dans les zones libérées. Congo profond. Présidentielle 2023, Augustin Kabouya dévoile l'équipe de campagne Félix Tshisekedi et puis Peter Kazadi face aux défis prioritaires de la sécurité des élections post-alternance.
Route qui moins un groupe de motards brûle sauvagement un bus de marque Sprinter. On va sur 7 sur 7. Ici, Sénat voté à l'unanimité après l'intervention de Nicolas Kazadi, le projet de loi portant réédition de compte exercice 2022. Et puis, Eddy Capente réintègre l'armée avec le grade de général de brigade. Christian Tshiwewe devient général d'armée. Et Beni, des ADF tuent 2 civils et incendie un véhicule sur l'axe Irengeti et Kanyama. On termine par Radio Okapi. Un Tchopo, conflit interethnique Mbole-Lengola. Des notables interpellent le gouvernement. Et puis le gouverneur de 6 provinces s'engage à persévérer et à valoriser les tourbières présidentielles 2023. Ici, présidentielle 2023, nous disions, une requête en invalidation de la candidature de Moïse Katumbi est lancée. Merci, on se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir. Voilà, mesdames, demoiselles et messieurs, donc l'actualité est abondante et elle est basée sur ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Et c'est par là que je pense que nous allons commencer. Le week-end, beaucoup de personnes m'ont appelé pour me demander qu'est-ce que j'en sais sur le Wazalendo. Je les ai renvoyés encore une fois de plus sur l'émission ou bien les émissions que nous avions faites dans le passé, qu'il n'y a pas de nouveau. Tout ce que nous voyons aujourd'hui, c'est ce que nous avions constaté lorsque nous avions promis les Maï-Maï. Et j'avais donné mon point de vue à ce temps-là. Nous ne pouvons pas aller dans commencer à supporter les forces obscures. Même la diaspora est tombée dans cette bavure, dans cette erreur. C'est une grosse erreur. Je supporterai encore quand vous dites Bendel et quoi, y'a tête supporter force Bafar de Senabiso. Parce que je peux vous dire que les Bazalendo, ce sont les forces négatives. Et ça, qu'on peut s'accagame et les force pour n'a qu'on niveau international que non. Batouana, Bomoni, Bazalendo, ce sont là les FDLR que nous pourchassons, des génocidaires et leurs enfants. Batouana balingi koya kokozonga na Rwanda te. Kagame nous dame encore le pion avec l'histoire de Wazalendo. Nous cautionnons la bêtise, mes chers amis. Je le répète encore ici. Ça, ce sont des forces négatives. Bisona oni na ba monisco tutoyokana kake ba force wana toyiko armé bango te. Ce sont là les troubles faits. Nous devrions les combattre jusqu'à les faire taire. Est-ce que vous pouvez commencer à commencer à financer les Codeco pour qu'il aille à Kendeko Bundapo Nabino? Toyebi ba Codeco, ce sont des assassins. Ce sont des gens qui mènent ba opération, ba miyibi. Ce sont les forces négatives, mes chers amis. Tout ce que vous appelez là les Wazalendo, bota la bino moko ba vidéo na kati ya oyo baza kotinda bino. Ces gens-là sont de quelle origine? Batouana baza kolobanini. Nakoka ki angor koyoka bien soki na yoki ba garçon na biso ba uti soki kitona bazoya soki wapi soki na formation nini bazoya ko supporter biso na kati ya force moko légal. C'est comme ça que nous sommes en train de perdre cette notion de légalité na la République démocratique du Congo. Et beaucoup de gens s'enfoncent dans cette erreur là, Bandeko. Si nous commençons à cautionner les gens qui ne sont pas légaux sur notre territoire, c'est-à-dire que nous perdons le Nord, c'est-à-dire que nous ne pouvons plus appliquer la Constitution, Bandeko. Nani angwazana aza habilité à défendre, ya ko simba mundu mandoki na FARDC, na République démocratique du Congo. Nani angwaza aza habilité, la loi donne à qui cette habileté, cette disposition à Koloba, Mouto à Koko Simba Mono. C'est ça la légalité. Et donc le Wazalendo, nous commençons à les reconnaître. Et par même le gouvernement. Gouvernement Yangwana par Mouindo Zangi, on a commencé à chercher comment est-ce que nous pouvons reconnaître ces forces négatives-là. Et là, on a expliqué comment est-ce que nous avions échoué la gestion de l'État Bandeko. Quand
nous commençons à recourir à des forces qui ne sont pas légales, c'est fini. L'État est koufi. L'État est koufi. Ils sont reconnus comment? Par quelle magie ces gens-là? Oh, la loi, oh, il y a réserviste. Quand est-ce qu'elle a été adoptée, cette loi-là? On en parle, mais là, elle n'a jamais été adoptée. Nous faisons les choses dans la précipitation. C'est comme cela que j'ai dit. L'ikambwana awazalendo bande kobotika kobengangai ngana lobby déjà. Je le répète et je le répète pour la dernière fois que nous n'avons pas raison de donner même un cas. Bato baza ko sala o cotisation to tindeli bazalendo boza ko bebi sambongo na bino pamba. J'aimerais encore que cet argent là puisse aller dans nos forces autant tolobaka bendele ko ya te. Je peux encore tolérer ça. Mais je n'avais pas accepté ça. Pourquoi? Parce que dans notre force, faire des scènes, ils ont mal à mouté. Et donc, maintenant, nous donnons pleinement raison à Kagame que non. Ma Kambo, Azoyela na Congo, ils ont solo. Parce que tout le monde a kobundi ça, ils ont Congolais, sangani na ba FDLR. Et c'est ça qui complique. Quel est l'intérêt que le Congo a token de kobundi ça Rwanda? Bandeko, na Swahili tolobaka. Tutoke muvita kishenzi. Réfléchissons. Et je vais m'arrêter là sur ce point-là. Il y a Likambwana à Bazalendo. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette histoire-là de Bazalendo. Taisons-nous. Donnez l'opportunité aux FARDC de nous défendre, de défendre notre territoire. Ezala convenu que non. Makambu oyo bandeko. Et koki wo kende nengwana te ke oh. Oh non, batu msusu bazo ya kubundela biso, biso me otozo koka kubunda te. Likambo aba ea se, oh, sadek ya kwa kubundela biso, e longwa esi la. Nous devons chercher une solution en interne et globale qui sera appliquée et qui pourra sauver notre République démocratique du Congo. Et c'est cette solution dont nous discutons ici sur Contact Pro Life. Alors, Bandeko, to longwana nou na likambwana. Batuebele batuninga balobi, mais solution siko yo obanzi nini, solution na yo kanise za nini. Bandeko, ici à Contact Pro Live, nous prenons la rétrocession du pouvoir au niveau de la base. Aujourd'hui, là, nous sommes allés dans un processus électoral qui ressemble à quelque chose comme la démocratie, au baba, baroule la démocratie. Tozo kende nango, na boulou yeke. Nous ne sommes pas sûrs que les élections auront lieu. Nous, les Congolais, nous sommes encore en train de se battre. Ce n'est pas seulement à Bounagana, mais Tozako Mibunda, déjà Bisomoko na Bisomoko. Nous préparons les lits pour l'ennemi, Bandeko. Tozako préparer Mbeto ya ennemi na Biso. Donc, Tozako préparer la balkanisation nous-mêmes de notre pays. Parce que nous n'arrivons pas à comprendre que non. Notre pays en dépend de toutes les décisions que nous prenons. Yangwananga bande kolobana lobi, ata toke na ba élection oyo, cette ambiance là de mécontentement, cette ambiance là de division, cette ambiance là tozo bundela nini, pourquoi nous nous battons? Nous sommes incapables de diriger notre pays, Bande Konangai. Nous sommes incapables de trouver la solution pour notre pays. Tozo kende na sambla élection, to ebite soki ba machine ngwe zali wapi. Vous avez suivi ici nanani ba article Obama eza ekomiko komona na seni tout ça eza libande komi pa ya ba. Nous sommes en train de détruire nous-mêmes ce pays. Au lieu de le construire, na ba kokoyo kanate oyo tout eza ekomi na tous les niveaux. Les députés ne savent même pas Moussala qui député Zanini. Le pays s'enfonce, pas seulement économiquement, mais aussi structurellement. Mbokanabiso et Zalité. Nous devons chercher un moyen. Bozo mon aba nomination, tantôt Moutoumsou soit bimi, tantôt oh non, nanga bimi koto. Il y a trop de cacophonie et je pense que la meilleure des solutions est Zalik prendre les choses en main en se disant Bande Koto Solola. Et c'est par là que j'ai dit, n'a répondre n'a nous n'a pas tout,
Pourquoi est-ce que le chef de l'État a déjà makamba kosola na ba groupe na M23? Chef d'État s'est rétracté. Félix s'est rétracté. Il a parlé avec les groupes armés à Nairobi. Awa Napsadek, awa botangi nani, awa botangi boyoki batitre oto tangi libino awa. Les chefs d'État africains doivent encore se rencontrer pour nalikambwa yanani a RDC. Boza komona, nous sommes entrés dans ces colloques là, mais sans voix. Tozana eloko moko a présenté kunate. Pourquoi? Parce que notre destin, nous l'avons laissé dans le main des autres. Ce sont eux qui sont en train de prendre des décisions à notre place. Mboka na biso toza biso moko te, biso moko tozo luka. Je crois, je peux avoir ce discours de Ndayishimiye ici, président Burundi. Et je crois que je peux vous le balancer ici. Tolanda yenan. Je vais vous donner une anecdote. Imaginez-vous deux enfants qui échouent à se partager une orange. Quand ils échouent, ils appellent quelqu'un d'autre. Mais lui aussi, qui voudrait en prendre une partie, vous le demandez de partager cette orange. Et vous ne voulez pas qu'il la mange, ce qu'il va faire. En cherchant à partager, il va presser jusqu'à ce que le jus tombe sur terre et vous allez avoir une orange, sans jus. C'est pour cela que je voudrais vous conseiller, vous-même les Congolais, de chercher des solutions d'ensemble pour votre nation. Et ne laissez pas derrière personne, parce que si vous le laissez, c'est lui-même qui vous sera une épine dans l'avenir. C'est pour cela que c'est mieux de parler franchement de votre problème et de le résoudre entre vous-même. Chers amis, est-ce qu'il a, il a mis de l'eau dans sa bouche. Il a parlé français. Il parle dans la langue que nous pouvons comprendre. Alobini. Makambo nga naza koyebi sabino yango wana. Destin na biso topesa yango na batu mususu. Nous ne sommes pas capables de nous prendre en charge, les Congolais. Avec toutes ces richesses que nous avons dans notre pays, nous ne sommes pas capables de les gérer. C'est comme ça que nous-mêmes, nous pensons que la solution est qu'outa ailleurs. Et c'est comme ça que le président de la République s'est précipité. Oto kende na force AEAC, oto kende na MONUSCO, tout ça. Et nous avions négligé nos forces, notre force en interne. Nous avions négligé ça, Bandeko. Et c'est cela qui cause notre débâcle sur la guerre. Et c'est cette guerre-là que moi j'ai dit. Le problème de nos voisins, le problème du Rwanda, je ne défends pas le Rwanda, le Burundi, ni le Luganda, ni même le Kenya. Tous, ils ont l'intérêt à ce que la République démocratique du Congo puisse rester dans cet état-là. Parce que c'est dans cet état ici que Bango Bazako s'est développé. Tant que nous serons en guerre, tant que nous ne serons pas ensemble, tant que nous n'organiserons pas le pays, notre pays, ça bénéficiera aux autres. Et ils ont intérêt à venir commencer à nous faire semblant que non, Tozo Akosali Sabino, tout ça. Personne ne pourra nous aider si ce n'est que nous-mêmes. Et ça, nous avions dit ça à tous les niveaux.
au niveau provincial, au niveau du gouvernement, au niveau de la présidence, au niveau de la justice. Maintenant, bandeko biso a oboza kotou nangaye. Ndengeni ningana zoka ni samakambo. Quelqu'un m'a dit que non, on ne peut plus causer avec les groupes armés. J'ai dit oui. J'ai dit totalement oui. Moi, je ne suis pas d'accord. Et j'ai dit, na ba émission mususu na leka ki nakati, je félicite le président de la République en disant que toko solo la kali susu na M23 te ni na groupe armé mon côté. Mais voilà encore une fois de plus que place Bruno Bosali RR bozako kende ko armé ba groupes armés. Ça, vous vous êtes contredit pratiquement. Quand je vous félicite que vous ne parlerez plus, inventez une autre voie. Quelle est l'alternative si vous ne causez pas avec le M23? Solution Zanine. Solution Batouana Balobi, cantonnement Bango Balingi Angote. Et ainsi, vous allez voir que ce sont nos ennemis qui sont en train de nous gérer. Parce que bazo géré biso balobi bolo baté que non makambo ya cantonnement ezate. Nous n'allons pas nous cantonner. Vous êtes des Congolais si vous êtes le M23. Pourquoi ne pas vouloir venir causer avec nous? Parce que nous avions refusé de causer avec vous. Et la situation reste bloquée. Et donc, comme la situation est bloquée, les autres en profitent. Bazako toka ba minere, bazako toka biloko na bango ne balingi. Parce que côté kuna ezana ndenge wana. Et ça profite à qui? Aux autres. Batouo bazako tire ba ficelle nanani wana. Même si aujourd'hui nous pouvons condamner le Rwanda, même si nous faisons la diplomatie otokeibo etokebo etozo salanyoso pour que Rwanda ba condamné na sur le plan international, mais l'interne reste le problème le plus crucial. Et c'est là que nous débouchons sur les solutions. Quelles sont les solutions que nous proposons ici, Bandeko? Nous avions dit ceci. Toute la problématique de la République démocratique du Congo peut se résoudre en interne. En interne, Zali Tekeno, les forces politiques, venez ensemble, on va faire une coalition ou bien on va faire des dialogues et tout ça. Non, ce n'est pas ça. Donner la voix, donner la parole à tous les Congolais de refondre le Congo. Refondre le Congo, ce n'est pas que notre catalyseur sous Bako. Non, que les Congolais puissent se reconnaître, se réapproprier le pouvoir na Bango. Le pouvoir que le Congolais doit se réapproprier, ce sont les 145 territoires dont nous avions parlé depuis 2019 en disant à Félix, ce pays ne vous appartient pas seul. La solution résidera à ce que lorsque nous aurons une cohésion nationale, lorsque les gens seront conscients que Mboka Oyo ezaya mutu mokote, Mboka Oyo ezaya ya groupe ya per ya babatute. Vous aviez entendu awa que no batu moko bo bande mutu bapesa pouvoir na Félix. Cette histoire là doit terminer et personne ne peut nous empêcher. Mutumoko ko ko empêcher biso que to sala ndenge wana personne nazo yo ka batu mususu balobi que non le pouvoir a été donné à ceux qui sont non ces gens là les occidentaux n'ont jamais été contre ce que le Congo s'organise. Tout le monde veut voir le décollage du Congo, mais lorsque nous pensons que notre destin est dans la main des autres et que bango baza komitu na balobi bango ba tout onde baza sansa ko ya ko trouver ba solution na ba problème na bango mais baza ko ya ko ebisa biso nde to luke la bi bango ba problème. Et c'est là le grand problème. La solution est simple et elle est bien applicable, c'est que le Congolais doit parler azala soki na lobani azala kwado azala enseignant tout ça. Les gens doivent se mettre d'accord à se reconnaître que non, tous ont le pouvoir de changer Makamuna Congo Nabiso. C'est cette reconnaissance-là qui nous manque aujourd'hui. Reconnaissance, wana. Et c'est comme ça que j'ai dit encore dans un space ici. J'ai dit que celui qui aura cette vision-là, en rétrocédant le pouvoir au niveau de la base, en réorganisant la base, pour que la base se prenne en charge. La base, si elle se prend en charge, tokozia ko corruption ko sila na ndenge ya likolo bandeko. Et le moyen d'y parvenir, c'est quoi? Le moyen d'y parvenir, c'est justement aller dans cette optique-là à Kolobake. Non, faisons parler les gens dans leur territoire. Bayokana, voici ici, nous nous reconnaissons d'abord. Toza banani awa.
biso toza ba ngwandi awa na Équateur. Toza ba pygmé combien? Uske ba pygmé ba vivaka wapi? Eloko na bango ezali wapi? O eza domaine na bango? O eza mboka na bango ezali eloko na bango? Mutu na mutu a reconnaître eloko na ye. Pour que eloko wana soki mutu na mutu a reconnaître ango totie ango ensemble, wana nde toko former nation moko tozolo ba la République démocratique du Congo. Comme c'est stipulé dans l'article 10 ya constitution na biso. Nous devons faire à ce que le peuple congolais puisse reconnaître sa puissance. Ce n'est pas là son pouvoir. Ce n'est pas que pouvoir est en Amaboko à Tshisekedi. Alors le chemin c'est quoi? Le chemin que nous avions imaginé ici depuis 2019, je continue à insister. Toloba Kaboué, Tolobi, président, il faut abengisa ce que nous appelons une négociation à la base, c'est-à-dire les états des lieux de chaque territoire. Batuna territoire na bango, qui est une date fixée que non, dans ces trois mois. Quelque part, quelqu'un m'a dit, est-ce qu'il faut dissoudre le Parlement? Ça, c'est une stratégie. Mais moi, je me dis, nous ne devons pas chambarder les problèmes, parce que ces choses doivent être préparées. Et le Congolais doit le préparer. Toye ba place ni nango tozo kende. Banani ango ba ko préparer zabisonyo surtout ba congolais. C'est comme ça que ces discussions là devraient prendre part na katia ba état de lieu dans chaque territoire où les enfants de ces territoires là vont se prendre en charge en disant voici notre territoire. Voici combien nous sommes. Et c'est par là que nous allons poser le problème d'identité. Batuna ba territoire na bango ba ko se reconnaître en disant awa biso awa nde tozala kaboui. Toza banani awa. Banani baza banani awa. Et que au-dessus de nous, il n'y a personne, c'est nous qui décidons sur notre territoire. Et nous amener nos solutions maintenant dans Katia province. C'est par là que, dans le côté à l'est, dans le côté à Ituri, que dans les territoires, les gens qui ont pris les armes devront aller poser leurs problèmes. C'est par là qu'ils devront aller poser leurs problèmes. Et donc, j'expliquais en disant que, batou oyo na katia ba territoire oyo batou ba Simba Mandoki, bino boza ko se déclaré ba Congolais, vous allez vous mettre ensemble en disant, voici nos réclamations que nous voulons porter maintenant sur toute la République démocratique du Congo. Et donc, la manière d'avoir le pouvoir, d'être ministre, devra être refondée. C'est comme ça que nous disons, la refondation, sans c'est la refondation à Kolobakeno, refondation à Congo et à Ngoana. Nous devons nous mettre d'accord, avoir des consensus. Nani angwaza nani awa. Ba problème na biso awa na katia ba territoire ezanini. Et donc, la mission que nous avions dit, qui devrait être octroyée à ces états de lieu de chaque territoire, cette mission serait d'abord l'identification, l'acceptation de l'un et l'autre sur son territoire. Batu ya Kenge, soki kuna kote ya Mulenge, ya Banya Mulenge, batu ya Ruchuru, batu ya wapi, ba se reconnaître, yoza Congolais, ok, awa toyebi yoke yoza Congolais, awa toyebi yoke yoza Congolais te. Qu'on ne puisse pas venir nous imposer des choses, que les gens dans les territoires ne puissent pas être batu ya bako ya ko imposer bango. Et ça devrait être réfléchi par une vision d'un homme politique avec son groupe. C'est comme ça là que nous mettons ça à nu ici, que les gens puissent saisir ça à bon. Au bon, nous pouvons développer ceci. Parce que cela va nous donner l'indépendance et la communauté internationale n'est pas contre ça. Si seulement cela va aboutir à une cessation des hostilités à l'Est, Guimier Kota, Batouba Teka Babiloko Nabango, Batouba Zalana Kimia na République démocratique du Congo, ça va arranger tout le monde. Et l'ennemi n'aura pas la place pour venir dire que non, bon, voici, biso awa tozo imposé bino boy. Non. La République démocratique du Congo, ce qui a fonctionné bien, ba pays nyon soana pembeni koza la pilote, c'est nous qui contrôlerons cela. C'est comme ici en Afrique du Sud. Ba pays neti ba Botswana, ba Lesotho, ba Mozambique, ba Namibie, ils vivent au dépens, au mamelle de l'Afrique du Sud. C'est comme ça que l'Afrique centrale devra être avec le Congo. Parce que ce qui décollage économique et salé mien panabiso, nous allons absorber batubakoya ko salé ba misale panabiso. Mais qu'est-ce qui nous manque? Le problème c'est quoi effectivement? Le problème c'est ça, l'organisation interne même de la République démocratique du Congo.
organisation interne wanande za kozanga na République démocratique du Congo. L'organisation interne, c'est-à-dire quoi? Nous n'avons pas une identité congolaise. On ne connaît pas qui est congolais et qui ne l'est pas. Comment empêcher les autres de venir nous mettre en désordre? Et c'est par là que nous nous sommes dit, si cette idée, ce qui vision en a, un président autoko voté au Akoya. Parce que moi, je croyais beaucoup en Félix. Si ce Félix avait pris cette histoire-là, bon. Mais le lot, on a 2024, comment est-ce qu'on a solution? Parce que moi, solution, peut-être une année. Moi, mbongo, justement qu'on remettre les Congolais en leur place, en leur disant voici territoire Nabino, Malembankulu, Bozana Diamant, Awa, Bozana Tourisme, vous pouvez imaginer tout ce que vous pouvez faire Nakatia territoire Nabino, mais Boza combien, comment est-ce que vous, quelles sont votre capitale humaine, que vous en soyez conscient, c'est de là que viendra l'indépendance, parce que l'indépendance, c'est Zakaka Kolobake, l'indépendance, non, vous devez prendre en possession de vos capacités, et que défendre ces capacités-là, naba niveau yabatu mususu. Et que vous pouvez décider aujourd'hui en disant que Bisso awa na Malembankulu, voici tous na quatre tribus. Quatre tribus wana nous avons autant de personnes. Et ces gens-là, nous pouvons les contrôler. Nous savons qui appartient quoi. Nani afuta kampaku a nani afuta kampaku te. Nous avons combien d'argent qui nous arrive. Mbongo oto wiko sala nango nini awa na katia territoire na Bisso. Comment est-ce que nous pouvons gérer? Comment est-ce que nous pouvons contrôler notre administration? C'est ça l'autorité, c'est ça l'autorité de l'État. Et c'est ça la rétrocession la rétrocession du pouvoir dont nous parlons ici. Alors, na côté à Bamboka Oyo, et ça n'a pas moi, Kokoso et Belé, Anini, il y a guerre, il y a Biloko et Belé. Qu'est-ce que nous avions prévu? Nous avions dit, tout celui qui se sent qu'il est de là, les gens dans les territoires se connaissent. Et c'est facile de se dire que non, coloque un territoire, il y a 300 personnes qui vont nous représenter. Voici les populations dont nous reconnaissons ici. Awa tozala na balendo, awa tozala na balua, awa tozala na baour, to awa tozala na nini, na territoire, oh, boya awa bisonyo zo tuto sanga. Y a-t-il une branche armée ici, boya na noa bo s'identifier, to ye bana. Congolais, il faut apprendre Koyebana. Bande Kolelo et Zalendi, c'est une émission d'introduction que Nazako expliqué loko et la rétrocession du pouvoir. Donc j'espère que Bino Batboza va abonner et que Bozako Lananga pour la première fois va s'abonner pour que vous ratez ma cambote. Ce qu'on s'appelle une émission, yo panzango, partager. Pourquoi? Parce que l'idée que nous sommes en train de faire ici, c'est cette idée-là de la négociation. Cohésion nationale et Kozoamandengeni. C'est cette idée-là que nous voulons promouvoir. Alors, si toi, tu es aussi épris de paix et que tu penses que Mboka Nabiso et Kozoakakimia Nabitumbate, abonnez-vous. Si tu n'es pas encore abonné, laissez un commentaire, appelez-moi et il peut se prendre en charge comme tous les autres pays. Donc, c'est comme ça que je me dis, prenez vraiment soin de partager ces émissions, de laisser des j'aime si vous avez aimé. Ça augmente la visibilité de nos vidéos. Merci beaucoup. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Portez-vous bien. Au revoir.